pied qui est surtout comme ça, je corrige que le varus. Par contre, j'ai un pied qui est comme ça, avec de la rotation interne, je vais mettre la bande en adduction, donc en enlevant cette bande-là, je ne vais pas la mettre, celle-ci. Le thème de la formation aujourd'hui, c'est la rééducation des pieds du nourrisson, de 0 à 2 ans à peu près. Et donc, ça va composer une partie de rééducation sur les malpositions et puis sur les malformations. Il y a une différence entre les deux. C'est des choses assez techniques parce qu'un pied de nourrisson, c'est minuscule, c'est 7 cm à la naissance. Et donc, ça demande pas mal de dextérité et dans les manipulations et dans les appareillages. Le milieu vient sur la face latérale. Sans que tu regardes, tu la mets sur la face latérale du calcaneus. D'un point de vue pédagogie, j'essaye évidemment d'avoir un abord d'abord théorique de la pathologie et puis très rapidement de passer à de la pratique avec des démonstrations vidéo, puis la démonstration directement sur le poupon. Et c'est moi qui fais la démonstration, que ce soit de la manipulation ou de l'appareillage. Et puis ensuite, c'est au stagiaire de reprendre les manipulations et les appareillages. Soit éviter que le talon s'en aille en valgus, soit tu vas corriger le valgus parce que c'est un pied en Z, et tu tires fort. Cette formation m'a apporté déjà une plus grande connaissance de la biomécanique du pied de l'enfant, qui est encore particulier puisque l'ossification est incomplète. Elle m'a permis de mieux situer mes gestes techniques, de comprendre pourquoi j'agissais et d'avoir des gestes bien précis. La rééducation du pied du nourrisson, c'est pourquoi c'est passionnant, c'est parce que d'abord on s'intéresse à des tout petits bouts de choux avec des pieds qui sont parfois légèrement déviés, voire très fortement déviés. Et on a un résultat qui n'est pas immédiat, mais qui est quand même certain dans tous les cas. Et c'est sans doute une des rares disciplines où la kinésithérapie intervient avant le chirurgien. Donc ça marche bien. Et c'est assez merveilleux de voir ces petits pieds se corriger au fil des séances.